avec le maire des Andrézy, Hugues Ribeau. Merci de nous accorder votre temps. Alors, 19e édition des sculptures en île. On commence à s'y habituer. Quelque part, on dirait, voilà, une année de plus, comme les bons vins, ça revient tous les ans. Mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau cette année? C'est qu'on a d'abord un sculpteur qui est reconnu sur le plan international, qui est Douzan Jaune, qui est d'origine chinoise, qui est chinois. Bon, il vient depuis très longtemps en France, donc il connaît bien la France, mais il expose dans le monde entier, quoi. Et donc c'est quelqu'un d'assez extraordinaire, parce que cette année, ce qui est exceptionnel, c'est ce qu'il a préparé comme œuvre autour de la Tour de Babel, autour du monde un peu effrayant dans lequel on est. Vous plaît tout ça? Quelque part, tu vois une réjouissance dans vos yeux, là. Ça m'emballe complètement, vous le savez bien. C'est l'exposition Sculpture en Lille, c'est pour nous un événement exceptionnel qui réunit, bon, aujourd'hui, il y a pratiquement 40 000 personnes qui passent dans l'île, qui voient ses œuvres, y compris d'ailleurs, j'insiste beaucoup, les œuvres des enfants. Ce que font les enfants actuellement des centres de loisirs et des écoles, ici même dans le parc du Moussel. Voilà. Mais au-delà des jeunes, si vous voulez, cette exposition, c'est de nouveau, donc artiste international, Jean-Pierre Rosan, donc dans le parc de la mairie, qui est un artiste très très reconnu aussi sur le plan international, qui a des œuvres aussi dans la Galerie des Passions, l'espace Julien Green. Et puis on retrouve la sélection de la Maison Laurentine sur l'île, la sélection de la ville d'Andrézy sur l'île, avec toutes ces œuvres dans le parcours des sculptures, comme on dit. Et ce que je disais, la rançon du succès, c'est le fait que maintenant, on choisit les œuvres. Je veux dire. Très bien. C'est, voilà, on a pu aller les rechercher. Bon, donc rendez-vous pour bientôt une belle ouverture, j'imagine, le 19. Le 19, mais jeudi 19. Merci d'honneur de ces 19e édition de Sculpteur en île, monsieur du Genzou, c'est ça? Oui. Voilà, donc bienvenue ici à Andrézy. Alors, quel est l'essence de votre œuvre? Pourquoi est-ce que vous faites ce que vous faites en tant qu'artiste? C'est juste pour exprimer dans mon point de vue le monde, c'est ce que j'ai vu. Mm-hmm. Et artiste, enfin, son travail, c'est un miroir. C'est un miroir de la société et c'est un miroir de la vie privée. Et mm-hmm. C'est le miroir de son expérience. Moi, je ne vois pas. Moi, j'ai traversé le monde, travail, j'ai juste exprimé de mon sentiment. Mais je ne vois pas si c'est la triste ou haut, les gens qui m'ont dit comment vous mettez le mot terrifiant. Et moi, je ne me sens pas ça. Moi, je suis plutôt dans le nôtre. Parce que j'ai confiance dans l'humain. J'ai confiance dans notre société et quand même, j'ai confiance dans notre civilisation. Donc bonjour, je suis avec un des invités de cet événement culturel de l'année, donc Sculpture en île, Jean-Patrice Rosan, donc qui vient nous montrer ses œuvres qui nous interpellent par leur simplicité. Alors, quelle est l'essence de votre œuvre? Je vois un d'ailleurs, une qui est derrière là. Celle qui est derrière moi s'appelle Clameur, donc c'est Clameur. Un travail sur... sur le cri, sur l'appel. Voilà. Alors, toutes les sculptures ont une histoire, mais l'histoire qui les relie, c'est celle justement de la simplicité, la concision des formes, une sorte de résistance à cette époque qui va très très vite et qui nous éloigne souvent de l'essentiel. Donc je m'efforce de travailler sur des moments de contemplation qui sont féconds, c'est-à-dire que des contours autour de la sculpture, des formes nouvelles nous apparaissent, la lumière change aussi et ça produit une autre sculpture. Donc je travaille moi, principalement sur cette simplicité qui renvoie à une complexité. Très bien, mais complexité d'aujourd'hui dans notre monde contemporain, on va tellement vite et vous avec vos œuvres, vous n'êtes pas un peu défacé? Pas je pose la tout. Question de manière provocatrice, évidemment. Pas du tout, parce que si on regarde bien comment sont construites les œuvres, elles reposent sur une simplicité de forme, c'est-à-dire qu'il y a peu d'éléments, ou il y a une concision du trait, donc ça repose sur un dessin qui est relativement simple, mais la complexité, elle est dans l'assemblage, la correspondance des lignes, les parallèles qui se créent, les rapports des sculptures entre elles, parce que si on observe bien, il y a dans l'installation qui est ici, une résonance des sculptures entre elles, donc tout ça, ça renvoie effectivement à une complexité qui n'a pas grand-chose à voir avec la complexité du monde contemporain. D'accord. Et vous êtes où, dans la Drôme, dans quelle ville, et
qu'est-ce que ça vous fait de venir ici, en région parisienne? Ouais, je suis très content de visiter la région parisienne à l'occasion de cette exposition. Alors, dans la Drôme, c'est effectivement plus calme, on peut dire. On a de l'espace pour travailler, mais il est très, très bon de montrer son travail aussi à l'extérieur. Et là, c'est un endroit formidable pour ça. Je sais qu'il y a du monde qui va venir. D'accord. Et c'est la première fois que vous êtes, j'imagine, ici à Andrézy. Hein, oui, c'est bien la première fois. Voilà, très bien. Et puis ça fait un vrai plaisir de voir la réaction du public par rapport à votre œuvre. Non, c'est quand même palpitant. Oui, c'est toujours surprenant. Et ouais. Ça fait justement partie de cette complexité. Mmh.